La Bible mise à la porte de tous est le plus grand bien qu'ait pu connaître la race humaine. Toute atteinte contre elle est un crime envers l'humanité. Chers amis dans le Seigneur, mes frères et sœurs en Christ, bonsoir. Que la paix vous soit donnée. C'est votre serviteur, c'est votre ami, pasteur Lazare Robinson, fondateur et responsable du ministère Bacop. Bacop, un ministère qui fait tête li le devoir pour le capable porter assistance spirituelle, pour le capable porter aide spirituelle à tout le monde qui en nécessité. Vous n'êtes pas sans savoir que Jésus a déclaré « Mon peuple meurt par faute de connaissance ». Et Hébreux 11, le verset 6 a dit aussi « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, il va s'en dire « Sans la parole, sans la connaissance de la Bible, moun n'est pas capable de gagner la foi. Et sans la foi, moun n'est pas capable non seulement joindre bon Dieu et vivre dans la fidélité avec le Seigneur. » Et connaissant de nos jours, combien monde qui gagne volonté, qui t'a remé vivre pour le Seigneur, qui t'a remé marcher avec le Seigneur, qui t'a remé joindre le Seigneur, mais y a pas gagné à tout qui t'a permettre que ça accomplit dans la vie. Eh bien, je dis, hein, nous arrivons cerner deux problèmes qui causent ça. Premièrement, il y a un pile ministère qui pas fait option pour qu'à enseigner mon Dieu la parole, Jean yo doit enseigner. Donc mon sa yo, yo appauvri de connaissances et a péri. Et deuxièmement, il y a un ministère qui a fait effort qu'a enseigner. Mais il y a un groupe de monde qui pas gain temps pour aller l'église pour qu'à joindre enseignement parce que un système qui capture yo, un système qui mettait yo en servitude, qui pas bail au droit pour qu'à persévérer. Schedule travail yo, yo al travail ni la semaine et ni dimanche aussi yo al travail. Et tant apprécié yo, tant fait yo en pile exigence pour qu'à répondre avec besoin famille, hein, yo obligé à aller travail. Et moun sa yo, c'est gardé, yo gardé, yo ouais de jour en jour, y a descend spirituellement. Eh bien, Bacop, à travers téléphone, nous arrivons porter assistance à ou même qui dans le besoin, à ou même qui sentit au besoin yon substance qui ka aide au campes spirituellement. Ou a besoin d'étude là, ou a besoin de message là, ou a besoin de prière, et sans compter d'autres rubriques capables d'aider pour qu'à progresser spirituellement. Cet après-midi, nous allons étudier ensemble l'honnêteté et l'intégrité chrétienne. La conversion au christianisme doit amener le nouveau croyant à changer de vie et de comportement. Pour qu'on l'appelle chrétien, il doit avoir les qualités d'un homme qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parmi les qualités qui font du nouveau converti un véritable chrétien, figurent l'honnêteté et l'intégrité. Nous allons nous intéresser aux quatre grands domaines de la vie dans lesquels il est parfois difficile d'être honnête et intègre. Ensuite, nous examinerons les bienfaits qui en découlent de l'honnêteté et l'intégrité. En fait, qu'est-ce que cela veut dire, l'honnêteté? Selon le dictionnaire de la langue française, l'honnêteté est la qualité d'une personne honnête. Une personne honnête est une personne qui agit avec droiture et loyauté et mène une existence conforme aux règles de la morale sociale et de la probité. Selon le dictionnaire biblique, le concept d'honnêteté s'exprime en grec par les mots kalos, qui s'écrit K-A-L-O-S, qui veut dire honnête, bon et littéralement beau. Et premier texte n'a pas comme texte de lecture dans l'étude l'an après-midi, hein? C'est Luc 8, le verset 15. Ce qui est tombé dans la terre comme étant une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ce texte nous parle de la sémence de la parole comme étant la prédication de l'évangile ou peut-être une étude, un monde qui attendait un message ou bien qui a suivi un sujet qui a traité bibliquement parlant. Et monde ça a gagné un cœur qui est honnête. Cœur ça, lorsque vous parlez d'un cœur qui est honnête, son cœur qui fait option, qui parle en fait logique et pour démarquer la réalité ou la vraie vérité de la parole. Et c'est un plus gros problème que nous gagnons de nos jours. Il y a un pile monde qui pas gagné un cœur qui est honnête. Lorsque mon entend des vérités, au lieu d'accord vérité, il plutôt fait logique avec vérité.
au lieu d'accord vérité a li plutôt gen problème ak moun k ap bal vérité a et c'est un problème qui majeur qui fait que génération pa nou son génération qui perverse k'ap détruit parce que son génération qui pa vle recevoir la parole comme telle qui pa vle d'accord vérité a jan ke liye a. Et si on regarde le texte, il dit que lorsque vérité a tombé dans un cœur qui est honnête, il est tombé dans une bonne terre qui non seulement garde des paroles là, mais qui pral porter fruit parce que il pral pratiquer ça que il t'attendait. Lorsque un monde a un cœur qui est honnête, pour nous faire tout le monde comprendre, lorsque le temps de l'évangile là, l'a fait effet dans la ville. Il pral produit un changement la caillie. Et li pral permettre que moun sa, li pral gen on l'autre mode de comportement nan jan ke la vive. Et même quand des froid, ça le tande yo brûlé, yo vraiment piqué. Mais le fait que cœur li gon honnêteté, qui fait option pour les choses conformes aux règles, les choses morales, les choses de la probité, eh bien la d'accord, même quand c'est un grain sans les dents l'a d'accord accepté pour pratiquer ça le temps de ya, parce que il y a une prédisposition à l'honnêteté. Il y a une prédisposition à la droiture. C'est une raison qui fait que je dis ya, une facette qui fait que moun a goumé ak moun pour faire l'évangile, c'est parce que il y a une absence de cœur honnête. Moun qui pas voulait recevoir la parole comme telle pour changer. Et moun qui gen cœur qui pas dans l'honnêteté ya, ou met ta goumé avec matin, midi, le soir, la pito faire elmi. La pito d'une certaine manière critiquer au lieu d'accord vérité. La pito fait toutes sortes de logiques que le fait. Et si ou table aller lire aussi Hébreux 13, le verset 18, ou à qui sa Bible la fait mention de yon série de qualités que bon Dieu lui-même la p'tan la kaye. Par exemple, yon mot grec encore que utilisé, c'est Sénos. Sénos, ça écrit S-E-M-N-O-S, qui parlait de honorable, qui parlait de juste, qui parlait de vénérable. En nous lit Philippiens 4, le verset 8, pour nous comprendre mot ça, qui est toujours en rapport avec l'honnêteté. Texte l'a dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. L'important pour comprendre que chrétien, hein, aspiration, c'est faire des bagailles qui honorables, c'est mener au mode de vie. Lorsque au monde a gardé ça l'a fait comme chrétien, au monde a senti la nécessité pour monde ça pour s'écouter de haut vers le bas, pas de gauche vers droite. C'est de haut vers le bas dans le sens pour dire moun sa ouais d'accord avec. C'est ça un chrétien, c'est ça un serviteur, c'est ça une servante de Dieu. Et lorsque on moun a vivre, l'autre moun cap observer action à comportement, pas capable d'une certaine manière témoigner chrétienté. Donc ça li extrêmement drôle. Et moun sa li pas un moun qui honorable dans comportement, li pas un moun qui honorable, yon moun que t'a apprécié. Ou connaît la vie au monde qu'on fait monde gain respect pour lui. La vie au monde qu'on fait au monde gain respect pour lui-même, yo pas dit n'importe bagaille devant. Par exemple, dans les temps passés, lorsqu'un chrétien arrivait dans un endroit, en vérité gain monde qui pas fumer dans visage lui. Lors invité au monde vienne la caillou, gain monde qui pas jamais aller une cigarette dans la caillou pour le fumer parce qu'il gain respect pour chrétien. Mais je dis à Barala tellement aller loin, il y a des chrétiens qui ont des cendriers même sous table salon pour recevoir les gens qui veulent fumer la caillou. En réalité, comme étant chrétien, il y a une logique, les gens ne peuvent pas rentrer là-dedans avec vous. Il y a une vieille blague, les gens ne peuvent pas supposer bailler devant vous. Il y a des propos malsains, il y a des paroles malhonnêtes, les gens ne peuvent pas supposer abdi devant vous. Il y a des vieilles farouches, désagréables, les gens ne peuvent pas supposer faire devant vous. Mais ce qui est drôle, ou qu'on joue aujourd'hui, il y a des monde, au lieu de comprendre comme chrétien, il y a besoin de monde qui est honorable dans le comportement, pour monde qui respect pour eux, eh bien, au lieu de monde pas taper vieille blague devant eux, il y a même tout le participer dans vieille blague. Il y a des vieux mots, dans vieille causée. Pourtant, les chrétiens d'antan,
gen vie blague de pou te faire devant li tout bon quand il dit attention nous sommes serviteurs nous sommes servants de Dieu m'pa pa rentrer dans logique ça dans vie blague ça avec comme please gen respect pour moi mais je dis à chrétien la ri la donne et chrétien a même participé dans vie blague là tellement chrétien yo perdi ta capable dit sentiment honorable ça qui t'a supposé une forme de respect pour eux même dans le temps passé monde qui a marché avec bon Dieu yo yo pas d'accord rentrer dans aucune activité qui louche bagaille qui en désaccord avec la parole bagaille qui t'a voulu faire au perdu éthique ou bien image yo mais je dis à monde l'église dans toute forme de malversation toute forme de vieux papier toute forme de bagaille qui louche même quand d'une certaine manière ça mettait en question l'évangile mais pas gagne aucun problème parce que c'est des monde qui pas gagné le sens de l'honnêteté la caillon et qui prêt à faire n'importe quoi pour faire tête au plaisir ou qu'a comprendre dans le temps passé un chrétien était toujours prêt lorsque un monde c'est païen il connaît son modèle pour païen et la ville doit imprégner monde qui païen qui suivre mais de nos jours ou ap saisi pour où ils vont côté ou pas qu'à différencier païen avec chrétien yo gen même attitude yo parle même gens yo réagit même gens yo ont même activité yo comporte même gens et yo gen même sensation et ou konn ou tellement collaborer bien yo fini par fondre une dans l'autre et cependant bible a dit pas aucun rapport entre païen et ténèbres entre lumière et ténèbres païen et chrétien ou qu'à comprendre si monde qui pas converti t'as besoin de question t'as besoin yon conseil faut que l'itare l'on chrétien pour ta comme étant monde qui c'est lumière comme étant monde que le connaît qui honorable que le gain respect pour lui pour le monde qui sort penser mais je dis c'est pas tout païen qui parler l'on monde l'église pour le poser pour le monde le conseil parce que pas garder nous pour rien et pas gain respect pour nous en vertu de manque de vie que nous mené en vertu de choix de vie que nous fait au contraire je dis ou joindre des chrétiens même qui chercher conseil dans mes païens au lieu c'est un païen qui vient chercher conseil dans mes yo donc ou qu'à comprendre bagaille renversé bagayo renversé et pas gain chrétien honnête encore de nos jours pas gain chrétien qui honorable encore de nos jours en pile fois qu'on gain des païens même qui fait exprès les vignes d'une certaine manière offrir des privilèges à un monde qui parlait au monde qui l'église au monde qui pas païen même javel li bal des privilèges li invite le non activité ou bien li fait exprès li coincé le non domaine pour où ça l'a fait et lorsque elle fin faire et puis où est païen grien dans sous lit païen ril. Donc ce bagage qui lève et qui drôle en pile. Si nous ta considérons le texte encore qui est très important c'est Romains 13 le verset 13. Il dit marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Lorsqu'il dit marcher honnêtement comme en plein jour, loin de l'excès de ceci, de cela, li important pour nous comprendre. De nos jours, en pile moun ap font l'évangile devant Dieu. En pile moun ap font l'évangile linguistique. Yon l'évangile qui chita dans la parole. Même Jean Moun yo ta dit à l'oral. À l'oral nous prêcher. À l'oral nous enseigner. À l'oral nous chanter. À l'oral nous prier. À l'oral nous témoigner. À l'oral nous faire toute bagaille. Mais dans la pratique, zéro. Dans la pratique, zéro. Dans l'application, zéro. Et c'est là le grand problème. Il y a un pile monde qui peut moun. Il y a un pile monde qui a un pile, je dirais, volonté pour faire tout ça qui est possible pour le mettre colli ou bien pour le mettre tête li à couvert. Pour le monde, d'une certaine manière, pas comprendre malversation ou bien mode de vie que l'a mené. Pourtant, en réalité, une bagaille que un monde t'a supposé gagner comme peur d'abord, c'est la crainte de Dieu. Parce que monde qui honnête là, il pas besoin monde dire ça pas bon pour elle. Monde qui honnête là, tout ça l'a fait, le fait que le bon Dieu sous tête, il connaît cap pour elle partout, l'a veille tête lui. Et il connaît que il gont redevance envers ce Dieu qui crée elle. Bon Dieu ça qui en quelque sorte gagne pour faire appel avec lui-même comme étant petit pour poser la question. Donc cet après-midi, il est important pour nous comprendre, un chrétien cap fonctionner ou doit honnête dans tout ça en fait. Si ou non business ou doit honnête dans business là, pas bay moun menti. Si ou prêter ou doit remettre. Un monde qui honnête c'est un monde lorsque la parler, li comprend faut ranger bouche, il faut le dire la vérité. C'est pas un monde pour chercher défense, qui cap inventer toutes sortes de paroles. C'est pas un monde qui veut faire tête, il paraît bien et il prêt pour faire toute malversation. Il prêt pour faire toute logique. Non. C'est là qui veut vivre dans l'honnêteté.
li se un monde qui veille sous voie la ville et qui a veillé sous tout ça que l'a fait qui en désaccord avec la parole pour corriger yo. Parce que toute action que l'a posée, toute réaction que l'a posée, li cherche à analyser yo selon que dit la parole de la vérité. Il a dit aussi dans Romains 12 le verset 17: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. L'important pour nous comprendre comme chrétiens, là où on a marché avec bon Dieu, nous pas qu'à une disposition proportionnelle au mal. Qui ça me le dit par là? Il y a un monde d'une certaine manière qui est toujours prêt pour le bon réponse kiff sous kiff. Qui est toujours prêt pour le bon réponse, je dirais, give to give, give to give. Ou bien donnant, donnant. Ou bien moi, je vais ou tout. Ou dit, je dit tout. Ou fait, je fait tout. Ou déranger, je déranger tout. Ou bon problème, je bon problème tout. Pour un chrétien, hein, il t'a de conciliant. Il t'a de comprendre que Vili pas à supposer en désaccord avec ça la Bible dit. L'important pour nous comprendre comme chrétien, c'est là la Bible attend nous. Il y a un serviteur qui a expliqué, mais ils ont fait. Un serviteur que le bien avec lui, qui c'est un bon grain d'amis, ils ont passé en pile temps ensemble, ils ont sorti dans la même zone en province, ils ont rentré à Port-au-Prince, et puis ils se présentent au cours de la route, dans la relation, ils viennent comparer qui dérange la relation. Et puis chaque campé dans le coin, yo campé dans position yo. Mais monsieur qui sentit dans lui même c'est ciel il a défendre. Bien que c'est lui qui gagne raison, là m'expliquer ça la fait, ça la deal. C'est des bagages qui vraiment douloureux. Mais li pas ouais respect, li pas ouais image, li mais li ouais ciel lui. Et bien li d'accord mettre radio lui déplacer l'alcaille serviteur pour aller faire la paix. Lorsque lui veut caille serviteur jeune madame serviteur pas là. Li quitte nouvelle pour lui dire serviteur tant pris. Bon, moi, appelle l'Ovini parce que je me sens bouleversé, je me ramène aux jeunes pour nous parler, pour nous résoudre le problème que nous avons. Et puis, serviteur lui-même, il vient là quand il tente ça. Au lieu de tarer les serviteurs comme étant chrétien, il a fait show off, il dit si monsieur besoin, il a relevé encore. Serviteur lui-même, pendant la calle, il ne pas jamais relevé. Il finit, il prend le téléphone, il relevé. Et monsieur répond, il dit alors, il dit mon cher, c'est frère tel, nous avons besoin de avec vous pour me faire un dialogue avec vous parce que je ne me sens pas à l'aise. Parce que nous sommes frères en Christ. Il faut que nous rencontrions pour nous dialoguer. Et je suis prêt pour m'excuser devant. C'est vite, tu as dit, mais attendez bien. Et quand tu es là, ou pas capable de me téléphoner, ou pas besoin, ouais, ou pas parler. Il dit, ok, pas de problème, je parle avec vous-même. Mais qui soit qu'on est malhonnête, la fait. Il prend le téléphone, il met tel coup, il là, sous record, il a recordé tout ça, c'est vite, après lui. Parce que le guide entendait que c'est vite, c'est vite, descendre devant. C'est vite, tu as parlé avec lui. Il dit, mon cher, m'en excuse si, en quelque sorte, ça ne t'a mal, comprends-moi. Ou bien pour ça m'était fort là, ça m'était de la mande excuse. Parce que chrétien, il va pas la tête, mais quand ils vont côté, ils sentent que ça lui en jeu, la brise, la même crabine tête, lui même pour ça lui il pas dérangé. Il pas ouais respect, il pas ouais raison, mais il ouais arrangement ça qui fait là. Et puis il descend devant l'autre, bien que c'est l'autre là qui gagne temps. Il pas garder tout l'autre là non, mais il garde lui même, il y a raison pour le chercher la paix. Mais l'autre là qui sont malveillants, qui malhonnête, la ricorde voilà là pour faire qui ça pour la monter toutes en mille pour la faire toutes en mille tendre pour la faire tout le monde tendre comment l'autre t'a descendre devant t'a demander le pardon pendant que l'a fait ça l'a bail l'a tendre ou bien l'autre tendre comment l'autre l'a descendre devant l'a demander pardon et puis gagne là dedans qui gagne grâce bon Dieu dans l'équipe mais serviteur ce qu'on fait là c'est qui paraît malhonnête oui parce que serviteur ça qui fait ça c'est les chrétiens oui parce que si au monde les gagne ça malgré c'est gagne raison. Li d'accord descendre devant pour dire mon cher excusez-moi on nous avancer et puis ou même comme étant monde qui malhonnête ou prend voile ou record des voiles dans téléphone non pour aller faire mon temps de voile chercher faire capital ou sous dol pour aller faire katamwa montrer ses gros serviteurs pour aller montrer monde qu'on descend devant c'est malhonnête oui ou bien pour aller chercher raison devant l'autre monde pour montrer c'est que tu as raison parce que mon demande pardon c'est malhonnête oui vous comprenez je dis c'est un plus gros problème qui gagne. Nous ne pouvons pas comprendre qu'il y a un pile monde de nos jours qui a fait route pour l'enfer dans l'inimitié. Parce que nous avons un problème avec un frère ou une soeur. Au lieu de ranger ça, plutôt rester sous orgueil, il n'y a pas d'accord marché à ranger ça. Et sous table de ranger ça, il y a un problème, montre d'une certaine manière, il n'y a pas de question d'arrangement en rien avant. C'est terrible, terrible. Les gens qui vivent, qui veulent vivre dans l'honnêteté, dans la droiture, ils ont besoin de comprendre comme étant une femme de Dieu. Comme étant un homme de Dieu, il a besoin de gagner une attitude qui montrait que l'ivre est facile,
pour c'est la parole de Dieu qui prime sur la vie. Nous rappelons que nous avons parlé de l'honnêteté et l'intégrité chrétienne. On nous parle de l'intégrité à présent. L'intégrité est le caractère de celui qui est d'une grande probité, qui est sincère, qui est difficile à corrompre. Il faut remarquer que dans certains contextes, honnêteté et intégrité ont le même sens. Dans la Bible, plusieurs thèmes grecs renferment cette idée. Par exemple, aletinē. Aletinē s'écrit A-L-E accent grave, T-H-I-N-E accent grave, qui signifie véritable et qui témoignait comme étant pur et sincère sur le plan moral, sur le plan professionnel, sur le plan familial et sur le plan spirituel. La Bible dit dans Psaume 145, le verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Il a dit aussi dans la parole de Dieu, dans Psaume 34, le verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Lorsqu'elle parlait là que bon Dieu prêt pour le cas sauver monde qui gagne cœur qui brisé et qui dans l'abattement, en pile fois qu'on gagne des monde qui mal comprennent le contexte de la repentance. Une repentance qui permet au monde à changer un comportement, n'est pas une bonne repentance. Li ka tout simplement un simple, je dirais, regret à remords. C'est vrai que le mot repentance signifie regret, remords. Mais dans le contexte biblique, c'est un regret, c'est un remords qui mène le monde à changer. Ou bien à prendre disposition pour ne pas arrêter même monde que le monde, ou bien pas recommettre même bêtise que le monde a commis auparavant. Donc si un monde a cherché bon Dieu, en dans quel monde ça, il fait des bagailles dans la ville qui n'est pas bon, et puis en dans quel bon Dieu regarde le ouais, il n'est pas vraiment brisé comme une vraie repentance, bon Dieu va même tendre le même. Si bon Dieu regarde dans l'esprit monde ça, li pa gagné un trouble là. Li pa gagné, on t'a capable de dire yon sorte d'abattement et qui fait le sentir li pas en paix. Bon Dieu pas même tendel même. Moun nan ka fait jeune pompe danser, le Seigneur pas tendel parce que bon Dieu a cherché une vraie repentance. Et l'a cherché une repentance qui sincère. Li important pour nous mêmes comme chrétiens comprendre. Bon Dieu a attendre plus que ça que nous faire. Bon Dieu a attendre plus que ça nous comprendre. Bon Dieu a attendre plus que ça nous-mêmes nous voulons. Bon Dieu a attendre la caille nous, ça lui-même lui mandait, ça en quelque sorte lui exigeait, et ça lui prédestinait nous pour nous accomplir comme étant petit. Il n'y a pas à sortir de là. Lorsque un monde fait option pour mener un mode de vie pauvre, pour vivre selon ça qui fait plaisir, il est normal ou vivre comme étant d'une certaine manière un moqueur. Parce que lorsque un monde connaît la parole, l'a dit amen dans la parole. Il accepte la vérité. Et puis il a toujours les mêmes défauts. L'hypocrisie, la caïmoune, fait d'accord la parole. Fait d'accord pour dire amen. Mais il a toujours été seul, pas jamais changé. C'est une hypocrisie qui est extrêmement obscure. Ne pas dire une hypocrisie qui est blanc, mais c'est vraiment terrible comprenant une telle chose pareille. Des mondes qui avec la vérité, et ça qui fait parole a dit, jugement va commencer en dans l'église d'abord, avant même que le sorti de l'eau. Jugement peut commencer avec nous-mêmes qui prêcher l'évangile. Jugement peut commencer avec nous-mêmes qui enseigner la parole. Jugement peut commencer avec nous-mêmes qui voilés avec gros voile sous tête, nous gros robe sous nous. Jugement peut commencer avec gros costume nous sous nous. Jugement a commencé pour nous d'abord. Parce que nous connaissons la parole de la vérité et chaque acte que nous posons qui est en désaccord avec la parole, eh bien, jugement par nous, on peut commencer avec la Bible en main, avec la parole de Dieu en main. C'est vrai, aujourd'hui, il y a tout le monde qui a cherché excuse. Même là, d'une certaine manière, nous avons un tort dans le domaine. L'a cherché d'une certaine manière, culpabiliser on l'autre pour capable paraître celui qui a raison. Mais dans les yeux de Dieu, pas gagné cette question parce que c'est prêt au jugement qui prend inhérent. C'est prêt au jugement qui prend inhérent
qui pral sans force côté, qui pral sans faille. C'est pral un jugement qui pral universel. Un jugement qui existe pour tout le monde. Pas grand monde qui pral un jugement différent. Tout le monde pral même jugement. Et ça qui fait que je dis, même si un monde ou vit mal, ou qui a un comportement mal, ou agit mal, et puis ou critique l'autre monde, pas de aucun problème. Ou pral juger avec toute critique ou d'après pour l'autre monde pendant ou même ou vit mal. Parce que nous sommes d'accord avec moi, il y a pile de monde pendant à juger des monde dans l'église ou des frères avec des sœurs pourtant il y a même un mode de vie qui est inapproprié. Et en pile fois, il y a pas un mode de vie qui est inapproprié parce que il y a pas des monde qui tue monde ou bien il y a pas de mari ou bien pas de madame. Parce que c'est ça pour qui péché qui anormal. Pourtant hypocrite passé 100%. Hypocrite passé pas gagné. Menteur passé pas gagné. Mon ab dit ça l'ab dit ya. Pendant l'ab cherche défendre tête, li connaît bien le pas gain raison. Li connaît bien nan menti, mais le fait que li besoin défendre tête li, l'ab baye menti pour défendre tête li. Donc lorsque jugement ça prend le fait, jugement prend le fait avec la vérité en main. Et chaque monde prend le paraître selon Jean ou taillé, Jean ou te fait option pour vivre. Mes frères et sœurs en Christ, c'est l'introduction de l'étude. Nous pourrons passer plusieurs jours à parler sur l'intégrité et moralité. Nous pouvons parler sous honnêteté et l'intégrité. C'est extrêmement important pour comprendre comme étant chrétien, vous avez besoin de faire option pour livrer au corps et âme pour faire la volonté du Seigneur. Laissez-moi dire, nous pouvons gagner quatre phases que nous pouvons avoir dans l'étude ça et qui pourraient permettre d'une certaine manière de bien discerner sujet ça et nous pouvons gagner pile bagaille que nous pouvons parler. Nous pouvons parler de l'honnêteté envers soi-même. Nous pourrons parler de l'honnêteté dans la famille. Nous pourrons parler de l'honnêteté dans la congrégation. Nous pourrons parler de l'honnêteté dans la vie profane. Nous pourrons parler comment un leader peut-il maintenir des standards de parfaite honnêteté. Nous pourrons parler de les bienfaits de l'honnêteté. Nous pourrons parler de Dieu est contre la malhonnêteté. Nous pourrons parler sur les chrétiens sont appelés à être comme Jésus. Nous pourrons parler aussi de l'intégrité est source de salut. Nous pourrons parler de plusieurs autres thèmes encore que ou même ou pourriez pour devoir pour prendre le plaisir pour suivre avec nous. Nous avons campé là et nous avons bas au doigt dans l'introduction ça que nous fait. Si vous avez des questions, vous êtes capable de poser et nous prenons le plaisir pour nous répondre nous, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo.